Voilà, à tous et à tous, nous présentons comme d'habitude nos chaleureuses salutations. Bon, nous allons commencer d'abord par présenter nos meilleurs voeux à toute la population sénégalaise, en particulier nos internautes, bien entendu. Alors, deuxièmement, comme vous l'aviez constaté vous-même, nous avions posté une vidéo, mais malheureusement, il y avait des problèmes techniques. C'est la raison pour laquelle voilà, la vidéo a été effacée. Voilà, néanmoins, nous sommes revenus pour suivre la logique des courants littéraires. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entrer dans le 18e siècle. On avait dit que le 16e siècle a été marqué par l'humanisme, le 17e par le classicisme, le 18e par le siècle des Lumières. Alors, le siècle des Lumières, c'est ce qu'on appelle le siècle philosophique. Alors, on entend par philosophie le triomphe de la raison. C'est la raison pour laquelle lorsque les écrivains de ce siècle, lorsqu'ils étaient venus, leur objectif serait d'abord de libérer Rome pour la seule et simple raison. Ils ont clairement dit et confirmé qu'effectivement, l'homme n'était pas libre à l'époque classique parce qu'il y avait un dictateur imposé par Louis XIV. Alors, de ce fait, pour réussir leur mission, il fallait d'abord créer le pouvoir de l'homme, le pouvoir de la société. Ils proposent aussi la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, le législatif. C'est pour permettre l'homme à être libre dans ses démarches, dans ses réactions. Autrement dit, l'homme doit avoir un esprit critique. L'homme doit être ce qu'on appelle conscient de ses gestes. L'homme ne doit pas avoir des barrières en réalité. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à déposer aussi sur la table la déclaration des droits des citoyens. Alors maintenant, qui sont ces philosophes qui ont voulu libérer l'être humain? Qui ont voulu pousser l'homme à user la raison, qui ont voulu pousser l'homme à remettre en question, qui ont voulu pousser l'homme à véhiculer ses idées, sans contrainte, bien entendu. Ces philosophes sont, nous avons l'homme qui a écrit Émile, l'homme des contrats sociaux, le grand Jean-Jacques Rousseau, nous avons Denis Diderot dans son chef-d'œuvre intitulé La religieuse, nous avons le grand Montesquieu dans L'esprit des lois, nous avons aussi l'homme qui a écrit Candide, en l'occurrence, Jean-Jacques Voltaire. Alors, est-ce qu'ils ont réussi leur mission? Là, pour le comprendre, il faut aller le chercher du côté de Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social. Alors d'abord, pour exploiter cette expression, le contrat social, c'est-à-dire le contrat qui lie la société, le contrat entre le peuple et l'État, par exemple, le contrat entre le parent et ses enfants, le contrat entre le professeur et ses élèves, etc., 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 etc. C'est la raison pour laquelle, pour confirmer cette liberté de l'individu, Rousseau, dans le contrat social, a mis en valeur la question des lois, la question des normes, la question du prescrit, la question du permis, la question de l'interdit, etc. Là, il confirme, quel que soit alpha, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Alors là, pour le comprendre, l'homme, comment comprendre qu'il faut prendre les hommes tels qu'ils sont? C'est-à-dire, l'homme, c'est un individu certes doué de raison, mais très complexe. Quel que soit l'être humain, il faut juger son comportement positif afin de l'accepter à vivre comme toi dans la société. Il faut prendre les lois telles qu'elles peuvent être. C'est-à-dire, la loi, c'est dur, mais c'est la loi. Alors Rousseau continue toujours. Il dit, on me demandera si je suis prince ou législateur pour parler sur la politique. Il dit, je réponds que non, car si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferai ou je me tairai. Alors qu'est-ce qu'on entend par le prince? Le prince, c'est le roi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le législateur? Le législateur, c'est quelqu'un qui travaille sur les lois en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle, avant de nous plonger au cœur du premier livre, là où il a démontré la liberté, je l'avais dit, là je suis obligé de parler sous le contrôle quand même des profs de philo, M. Ndiaye, clin d'œil à toi, il y a M. Barra à côté, il y a M. Sam, Omosum, M. Sow. Alors, dans le premier livre du contrat social, pour confirmer cette liberté, pour mettre en valeur ce contrat, pour que l'homme vive dans la société d'une manière possible, sans contrainte. Rousseau dit dans le premier livre, j'entends trouver toute forme d'association qui défende et protège de toute la force commune les personnes et les biens de chaque associé, par laquelle s'unissant à tous et pourtant nommé qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Alors là, que veut dire le partisan du siècle des Lumières? Quand il dit j'entends trouver toute forme d'association qui défende et protège de toute la force commune, c'est-à-dire il est là pour mettre en valeur toutes les associations. Mais toute association doit zapper l'intérêt personnel. L'association doit privilégier l'intérêt commun. Parce que si l'intérêt devient commun, forcément,
la liberté est là. Parce que si l'intérêt est personnel, cela veut dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas libres parce qu'ils sont obligés de fermer quand même leur bouche. Alors, c'est la raison pour laquelle il dit qu'effectivement, il faut zapper l'intérêt personnel et priviser l'intérêt commun. Quand il dit « toute forme d'association qui défend et protège toute la force commune, les personnes et les biens de chaque associé », c'est-à-dire chaque associé, chaque personne qui s'y trouve doit s'y trouver. C'est-à-dire, elle ne doit pas être lésée. C'est la raison pour laquelle il dit que les personnes et les biens de chaque associé par laquelle si nous sommes à tous, c'est-à-dire dans cette association, n'importe laquelle, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'école, c'est-à-dire les acteurs, les élèves, les professeurs, le président de la République et le peuple sénégalais, par exemple, ou bien le parent et ses enfants, il faut se donner la main dans la main pour regarder vers la même direction dans le souci d'atteindre ce qu'on appelle l'objectif le plus possible. Autrement dit, comme dit l'adage, l'union fait la force. C'est la raison pour laquelle il dit que qui défend et protège toute la force commune, les biens et les personnes de chaque associé par laquelle s'unissant en tous et pourtant reste aussi libre qu'auparavant. C'est-à-dire, toute association, quelle qu'elle soit, l'homme qui entre dans cette association, il était libre de la faire. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a dicté la loi. Autrement dit, la dictature disparaît dans ce cas de figure. Alors là, pour confirmer cette liberté de l'individu, Rousseau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'obéissance à la loi conseille librement prescrite et source de liberté. Dans ce cas, pour le comprendre, c'est très simple. Il faut prendre la métaphore quand même d'un père de famille. Et là, très remontant, hein? Il vient, il appelle sa famille. Voilà, j'ai constaté que beaucoup d'entre vous manquent quand même le déjeuner, mais j'ai envie d'exposer la loi sur la table. Mais si la loi ne vous convient, vous me dites, parce que c'est la démocratie, je ne force personne, y compris moi. Alors, la famille répond, laquelle? Maintenant, à l'heure du déjeuner, si quelqu'un manque, il n'aura pas sa part. On est d'accord? Alors, la réponse est affirmative. Alors, le lendemain, c'est moi qui viens en retard, parce que moi, je ne fais que compter les potes. Je n'ai rien dit, je n'ai pas mangé, j'ai mis la main dans ma poche pour régler mon problème. Le lendemain, coup de théâtre. Quel est le cours de théâtre? Le père qui avait imposé la loi, entre guillemets, vient d'être en retard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est revenu, il est obligé de se plier derrière cette loi. Alors, c'est parce qu'on l'a oublié, personne ne nous a forcé. Là, on était libre. C'est ça qu'on appelle l'obéissance à la loi conseillée, librement prescrite et source de liberté. Il y a aussi Emmanuel Kant qui ne fait pas partie quand même du siècle des Lumières, qui confirme l'essence de la liberté de l'homme. Même dans la vente du taureau, l'homme doit être libre. Maintenant, après Rousseau, nous avons comment elle s'appelle encore, Denise Diderot, qui a publié son chef-d'œuvre intitulé La religieuse. Lui, qu'est-ce qu'il fait? En mettant en valeur la liberté, il dénonce les abus religieux. C'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un couvent alors que cette jeune fille a été abusée sexuellement, excusez-moi de l'expression, par la mère supérieure. Et Diderot, effectivement, a décidé de prendre la défense de ces filles qui sont victimes, ce qu'on appelle de ces abus. Alors, d'autre part, nous avons le grand Montesquieu dans l'esprit des lois. Alors, lui, qu'est-ce qu'il prône? Il dénonce l'esclavage en mettant en valeur une société gouvernée par un monarque, c'est-à-dire le roi. Parce que s'il y a, jusqu'à présent, nous vivons l'esclavage déguisé. Alors que là, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Jean-Jacques Voltaire, tous unanimes, ont dit qu'effectivement, pour que l'homme soit libre, il faut que ses effets ne disparaissent en réalité. Alors là, ça, c'est le 18e siècle marqué par le siècle des Lumières, encore une fois. Pour résumer, c'est le siècle philosophique, c'est la liberté de l'individu qui entre en question. Après cela, nous serons obligés de nous plonger au cœur du 19e siècle. Alors, j'ai l'habitude de le dire, hein, le 19e siècle est le siècle le plus prolifique en courant littéraire. Alors, le 19e siècle a vu naître 5 courants littéraires. Le romantisme, le réalisme et le naturalisme, nous avons le parnasse et le symbolisme. Alors, qu'est-ce qui explique cette foisonnement de ces courants ou bien cette floraison? Parce que le 19e siècle a été marqué par la révolution industrielle qui était à l'origine d'immenses progrès scientifiques et techniques. Maintenant, pour éviter que la littérature disparaisse, ces écrivains qui composaient ces siècles, on va y revenir après, ont décidé de se lever pour faire face à ça, pour moderniser la littérature. Là, nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de nos discours. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour entrer dans le fond du 19e siècle. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention.